Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette série « Quand le chrétien doit fuir ». Il y a effectivement des temps où nous devons fuir certaines choses. Et lorsque nous fuyons ces choses, eh bien, on laisse des choses derrière nous. Et après avoir parlé il y a quelques jours de se séparer du monde et aussi comment couper les liens avec le passé, on continue un peu dans la même lignée. On doit se séparer de certaines choses. Je me souviens lorsque nous avons été en région parisienne il y a maintenant bien des années, eh bien, il y a des choses qu'on a laissées derrière nous. J'avais toujours dit toute mon adolescence, mon enfance, moi je resterai toujours en Bretagne et j'irai jamais à Paris ou en région parisienne. Et c'est là que Dieu m'a envoyé pendant plusieurs années. Et j'ai dû laisser bien ma famille, mon frère, ma sœur, voilà toute ma famille que j'aimais, la maison dans laquelle on habitait et l'endroit que j'aimais. Finalement, on s'est retrouvé à Paris. Et plus tard, le Seigneur nous a appelés à vivre au Canada. Et là, on a laissé encore beaucoup de choses derrière nous. Je me souviens qu'on avait laissé dans notre église locale de l'époque pas mal de meubles, d'affaires, etc. Finalement, on a donné tout ce qu'il nous restait. Et on est arrivé au Québec avec trois grandes valises et trois petites valises. Et notre vie était un peu, entre guillemets, derrière nous. On avait laissé nos amis précieux, on avait laissé notre famille, notre pays, etc. Et il fallait avancer. Il y a des temps où on doit laisser des choses derrière nous. Et dans le passage aujourd'hui, 1 Samuel chapitre 19, je vais juste lire à partir de la moitié de ce passage. Il est écrit « Saül envoya des hommes à la maison de David pour le surveiller et le faire mourir au matin. Mais Michal, la femme de David, l'en informa en lui disant « Si tu restes, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es un homme mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et prit la fuite. C'est ainsi qu'il s'échappa. Alors voilà que David doit fuir, il doit fuir pour sa vie et il va laisser quelque chose de très précieux et plus que quelque chose, quelqu'un, sa propre femme. Il ne, je pense, ne réalisait pas encore à ce moment-là qu'il allait devoir fuir pendant plusieurs années Saül qui voulait le tuer. Il ne réalisait peut-être pas que ce n'était pas juste une fuite d'une nuit pour un jour, que les choses allaient se calmer, mais que c'était une fuite, pour ne pas dire de toute une vie, mais en tout cas de plusieurs années, où il allait devoir fuir devant son ennemi. Et avant-hier, je vous ai partagé, où il y a 2-3 jours, toutes les fois où David a dû fuir, il a été à peu près dans une vingtaine d'endroits. Et c'était difficile. Un temps, une saison de fuite. Alors, il a laissé sa femme, Michal, la femme de David. Et on a même donné la femme de David à quelqu'un d'autre pendant qu'il était en train de fuir devant son ennemi. C'est terrible. Il a aussi perdu sa position de chef de mille. Il était chef de mille, il allait en guerre et il revenait au point où des femmes avaient dit « Eh bien, David, lui, il en gagne 10 000 pendant que Saül en gagne 1 000, je crois à peu près, une expression comme ça. » Et voilà, Saül était dégoûté. Et David, lui, était en train de réussir, mais il arrive un jour, il a dû fuir et il a laissé sa femme derrière lui. Dans sa deuxième fuite devant son fils Absalom, alors qu'il était déjà roi maintenant, Saül était mort, à nouveau, il a tout laissé derrière lui. Il a laissé sa royauté, il a laissé sa position, etc. Et j'ai dit cette semaine qu'on peut se retrouver seul parfois. On est obligé de tout abandonner, de tout laisser derrière nous. Il y a parfois, ça peut arriver dans certains moments de notre vie, où on doit tout laisser ou alors être prêt à tout laisser. Moïse a dû laisser sa position, on le sait, en Égypte. Il a dû laisser aussi la position par rapport à ses parents adoptifs. La Bible dit qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. C'est quelque chose qu'il a laissé derrière lui. Il a aussi laissé sa richesse et les trésors de l'Égypte. Il a laissé son influence, sa stature. Il a laissé son cadre de vie, le pays qu'il avait toujours connu. Il a laissé tout ça derrière lui pour accomplir la volonté de Dieu. On se souvient que lorsque Pharaon a laissé aller les hommes, on sait que premièrement, il n'a pas voulu que les femmes et les enfants aillent avec les hommes, mais il a simplement laissé les hommes aller. Il était d'accord à ce que les hommes aillent parce qu'il savait que si les femmes et les enfants restaient en arrière, eh bien, les hommes allaient revenir tôt ou tard en arrière. Et j'ai déjà parlé de ces temps dans ces derniers jours où le Seigneur nous amène à prendre avec nous ce qui nous est précieux, ce qui nous est cher, ce qui est important
et à sortir de l'Égypte, mais parfois il nous demande de laisser derrière nous des choses et on doit les laisser derrière nous. Alors, il y a des choses qu'on doit laisser pour toujours. Il y a des choses qu'on doit laisser dans l'espoir de les retrouver. Et il y a des choses qu'on doit laisser parce qu'on croit que Dieu va nous donner de meilleur. Il y a donc ces choses, premièrement, qu'on doit laisser pour toujours. Dans Matthieu au chapitre 10 et au verset 39, il est écrit « Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Si tu as fait le choix du Seigneur Jésus-Christ, tu as laissé derrière toi ton ancienne vie. C'est quelque chose que tu as laissé et que tu ne retrouveras plus. C'est quelque chose que tu dois délaisser, que tu dois oublier, c'est derrière toi. Trop de gens ont fait l'erreur de la femme de Lot qui a regardé en arrière et qui s'est transformée en statue de sel, une roche, plus capable de bouger, et s'est retrouvée complètement immobile. Il y a des situations où quand tu vas regarder en arrière, tu te retrouves paralysé, impossible de bouger. Quand tu commences à regarder en arrière, la Bible dit, je crois dans le livre d'Ecclésiaste, ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui, cela ne proviendrait pas de la sagesse. L'enfant de Dieu, le disciple du Seigneur, n'est pas quelqu'un qui regarde en arrière à part pour regarder ce que le Seigneur a fait. Mais il est quelqu'un qui regarde en avant. Quand on lance une flèche et quand Dieu te lance, ce n'est pas pour t'amener en arrière, mais c'est pour t'amener, pour t'amener devant. Quand on lance une flèche, on ne lance jamais en arrière. On lance toujours devant. Quand Dieu va te lancer dans ta destinée, tu vas aller vite. Quand tu dois fuir, tu dois aller vite. Quand Dieu te lance dans ta destinée, c'est pour aller devant. Peut-être on a l'impression pendant un temps de retourner en arrière. Mais non, avec Christ, on ne retourne pas en arrière. On avance devant. Alors oui, il y a ces choses qu'on doit quitter pour toujours. Pierre va dire à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » C'est vraiment une grâce extraordinaire. On ne peut pas trouver ça vraiment dans le monde. Parce que même si dans le monde, on peut parfois laisser des choses pour peut-être un symbole, pour quelque chose, une utopie, quelque chose à laquelle on aspire, quand on le fait avec Jésus-Christ, c'est différent. Les motifs, le cœur, bien sûr, ce à quoi on aspire, l'espérance. C'est tellement extraordinaire d'être un enfant de Dieu et de pouvoir laisser tout pour le Seigneur. D'être prêt à tout pour Dieu, de laisser tout pour Dieu, d'être prêt dans son cœur à laisser tout. Seigneur, je suis prêt à laisser ma maison, je suis prêt à laisser ma voiture, je suis prêt à laisser mes biens, je suis prêt à laisser ma région, je suis prêt à laisser mon pays, je suis même prêt à laisser, s'il le faut, mon père, ma mère, mes enfants, s'il le fallait, je suis prêt à laisser. Et je ne parle pas, bien sûr, d'ici d'abandonner sa famille ou ses enfants ou son épouse, bien sûr. Mais dans le cœur du disciple doit être prêt à avoir l'attitude du renoncement, du sacrifice. Et Pierre dit, Seigneur, on a tout quitté, on t'a suivi. Jésus va dire à Pierre, je vous le dis en vérité, il n'est personne. Ça veut dire qu'il n'y aura personne, frères et sœurs. Il dit, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, là on parle bien, Jésus dit, à cause de moi, pas parce qu'il a fait une erreur, pas parce qu'il a voulu par lui-même, non. Si à un moment dans votre vie, vous avez laissé quelque chose à cause du Seigneur, eh bien, Jésus dit, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci et également dans le siècle à venir, la vie éternelle. Quelle bonne nouvelle de savoir qu'il n'y a rien, frères et sœurs, qu'on a laissé à cause du Seigneur, que le Seigneur, pour lesquels le Seigneur ne donnera pas de récompense. Il y aura toujours une récompense aux choses qu'on a laissées à cause du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, il y en a plusieurs des premiers qui seront les derniers et plusieurs des derniers qui seront les premiers. Alors oui, il y a des choses qu'on doit laisser pour toujours. Lorsque Ananias et Saphira se sont approchés de Pierre, l'un après l'autre, la Bible dit qu'ils ont gardé une partie de la valeur du prix du champ.
le prix du champ, et le champ était à eux. Ils n'étaient pas obligés de le vendre. Et une fois qu'ils l'avaient vendu, ils pouvaient garder tout l'argent pour eux. Mais ils ont voulu faire croire qu'ils avaient tout donné. Ils ont voulu faire croire devant le monde, ils ont voulu faire croire devant l'Église, et surtout devant l'Église, parce que c'était du coup un moyen pour eux de s'enorgueillir, de dire « Regardez, nous, le sacrifice qu'on a fait pour Dieu. » Mais ils avaient gardé une partie, et pas n'importe quelle partie. Ils auraient dû tout laisser. Si on fait le choix de tout laisser, si on fait le choix de vendre et de tout donner, on doit tout donner. Si on a fait le choix de donner notre vie à Jésus-Christ, c'est pas pour la reprendre. La Bible dit qu'ils auraient eu le moyen, s'ils avaient eu la nostalgie de ce qu'ils avaient quitté, ils auraient eu le moyen d'y revenir. Mes frères, ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, j'ai vu des gens, même autour de moi, marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et à un moment, parce qu'il y a eu une tentation, parce qu'il y a eu une incompréhension, parce qu'il y a eu une attaque satanique, ils ont fait demi-tour. Et ils ont laissé le Christ. Ils ont laissé la foi. Ils avaient fait le bon choix, ils avaient laissé le monde, ils avaient laissé les choses du monde, ils avaient laissé leur vieil homme qui avait été crucifié avec Jésus-Christ. Ils ont marché sur le chemin resserré qui mène à la vie. Et à un moment, il y a eu une tentation, à un moment, il y a eu des coups de l'ennemi. À un moment, il y a eu des incompréhensions dans leur tête au point où, ou alors des convoitises. Et ils ont commencé à regarder en arrière comme la femme de Lot, au point d'être paralysés. Et les voilà loin, en train de partir loin de leur destinée. Si tu as donné ton cœur à Dieu, si j'ai donné mon cœur à Dieu, ce n'est pas pour le reprendre. Si j'ai fait demi-tour à l'Égypte, ce n'est pas pour y retourner. Ne soyez pas comme le peuple d'Israël qui disait « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte ». Là-bas, on avait à manger, là-bas, on avait des choses. Ils avaient oublié. C'était un mensonge. Leur perception était complètement faussée par l'épreuve dans laquelle ils étaient. Ils n'étaient pas en train de se réjouir là-bas en Égypte. C'était des esclaves. On leur donnait à manger que si on avait envie. N'oublions pas ce que Christ a fait pour nous. N'oublions pas de là où il nous a sortis. On ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier de la boue dans laquelle il nous a pris. Il nous a sauvés, il nous a lavés, il nous a rachetés, il nous a purifiés, frères et sœurs. Il nous a sauvés éternellement. On sera avec lui dans sa présence, on va rester toujours avec lui. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de souffrances. Frères et sœurs, c'est peut-être dur, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, comme un ami proche, comme un frère, comme un prophète de Dieu, c'est peut-être dur ce que tu vis, mais j'aimerais te dire, il y a une récompense pour toi qui marches avec Dieu. Il y a une récompense pour ceux qui se confient en Dieu. Il y a une récompense pour ceux qui marchent en Jésus-Christ. Et qui ne marche pas selon la chair, mais qui marche selon l'esprit. Oh oui, c'est peut-être dur, c'est peut-être difficile, mais le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, parce qu'il est fidèle, il sera avec toi. Il y a quelque chose de grand qui arrive pour toi, peut-être pas dans cette vie présente, mais certainement dans la vie éternelle. Mais le Seigneur dit, même si tu abandonnes dans cette vie présente quelque chose à cause de lui, il te donnera dans ce siècle-ci, dans cette vie présente et dans la vie à venir. Persévère. Continue d'avancer. Il y a ces choses qu'on quitte et on les quitte pour toujours. Des relations qu'on laisse derrière nous et c'est fini. Ce sera fini pour toujours. Les mauvaises alliances, c'est terminé. La drogue qu'on a laissée. L'immoralité qu'on a laissée. Il y a certaines... Même des séries télévisées qu'on a laissées. Des films d'horreur qu'on a laissés. Des films pornographiques qu'on a laissés. Des romans à l'eau de rose peut-être pour quelqu'un qu'on a laissés. Des certains loisirs mauvais qu'on a laissés. Les relations sexuelles hors mariage qu'on a laissées. C'est fini ça. C'est terminé. On les a laissés pour toujours. C'est derrière nous. On a laissé tout ce qui paralysait, tout ce qui affaiblissait notre vie spirituelle. Si tu abandonnes ces choses pour Dieu, le Seigneur sera ta récompense. Il y a aussi des choses qu'on abandonne, mais des choses qu'on laisse avec l'espoir de trouver de meilleures. Quelqu'un est dans une relation amoureuse et dans son esprit, cette personne sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
cette personne réalise que ce n'est pas la bonne personne. Maintenant, elle est engagée émotionnellement. Peut-être elle n'a pas veillé. Ses émotions ont été plus rapides que son esprit. Elle a couru plus vite que Dieu. Elle a devancé le Seigneur. Et cette personne est maintenant devant un choix. Elle doit laisser cette relation, mais par contre, elle a l'espoir d'en trouver une meilleure, la bonne. C'est quelqu'un qui doit laisser peut-être un travail. Parce que Dieu dit, ça, ce n'est pas le bon travail. Ça, ce n'est pas les bonnes études. Ça, ce n'est pas la bonne chose. Et cette personne va laisser cette chose-là, mais elle a une espérance, c'est de trouver une meilleure. Et il y a un troisième type de choses qu'on doit laisser. Des choses qu'on doit laisser, mais quand on les laisse avec l'espoir de les retrouver. Ce sont des choses qu'on laisse, mais on va les retrouver. Abraham a offert son fils Isaac et il savait qu'il allait le retrouver. Il était convaincu que Dieu est puissant même pour ressusciter des morts. Il était prêt à le laisser. Il a agité le couteau pour tuer son fils parce qu'il était convaincu de le retrouver par la résurrection. Mais Dieu l'a arrêté avant. Mais son cœur, dans son cœur, il l'avait déjà laissé avant que sa main ne se lève pour le tuer. Il y a des choses qu'on doit laisser, mais on a un espoir de les retrouver. Peut-être une région, peut-être une relation, peut-être une opportunité. On a eu une opportunité, on l'a laissée, mais parce qu'on savait que ce n'était pas le bon moment. Mais on sait pourtant au fond de nous qu'à un moment, ce sera le moment. Ce sera le temps. Ce sera la saison. Peut-être quelque chose qu'on voulait acheter, une maison qu'on voulait acheter, une telle voiture qu'on voulait acheter. Mais dans notre cœur, on sent que ce n'est pas le moment. Laisse. Il y avait une bonne affaire. Il y avait un bon contrat. Mais le Saint-Esprit te dit non, laisse. Tu dois mourir à cette chose. C'est quelqu'un qui avait envie d'entrer dans le ministère à tout prix. Il voulait prêcher à tout prix. Mais le Seigneur lui dit laisse. Ce n'est pas le moment. Le chemin, il est resserré, il est étroit. Mais on sait une chose, c'est qu'il mène à la vie éternelle. Il y a des choses qu'on doit laisser avec l'espoir de les retrouver. Et devant ces choses, on ne doit pas faire demi-tour, on ne doit pas avoir peur. On doit être prêt à les laisser. Et il y a une chose aussi que Dieu m'a mis à cœur, j'étais un peu surpris en préparant ce temps ensemble. La Bible dit dans Ecclésiaste au chapitre 11, verset 1, « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. » Parfois, ce qu'on doit laisser, ce qu'on va laisser, c'est des biens, c'est des dons, c'est de l'argent. Quelque chose qu'on laisse et qu'on plante dans le royaume de Dieu. Et cette chose, on sait que de toute façon, on va le retrouver. Mais on ne le retrouvera pas avec la main et le toucher de Dieu si on n'est pas prêt à la laisser avec notre propre main. Il faut qu'on soit d'abord prêt à la laisser, le laisser avec notre propre main, à le donner avec notre propre main, avant que Dieu puisse le prendre et le former pour nous le redonner. Il sera prêt, cette chose sera prête pour nous. Alors, il y a ce temps où on doit faire des sacrifices. Mais on sait qu'il y aura une récompense. Peut-être on a laissé une faveur. Peut-être on voulait nous faire un cadeau, mais on l'a laissé. Peut-être on a voulu nous faire un don, on l'a refusé. Peut-être Dieu saura comment nous récompenser. Il y a des gens qui ont laissé, les gens qui ont donné, certains qui ont semé. Et celui qui laboure, il doit avoir cette espérance de retrouver ce qu'il a semé. Certaines personnes ont donné pour l'Évangile beaucoup d'argent. Quelqu'un a donné 1 000 $ ici, 1 000 $
$1,000 ici, 1 000 euros ici. Et finalement, un jour arrive où il doit acheter une maison. Et là, Dieu se souvient. Et cette personne fait un profit incroyable, en tout cas, un bénéfice incroyable, un prix incroyable sur cette maison, parce que Dieu se souvient. Il y a ces temps où on doit laisser. Et ce qu'on doit laisser, c'est de l'argent. Et il y avait cette pensée par rapport à tous ces partenaires. Vous êtes nombreux à chaque jour laisser à Dieu un montant pour cette œuvre, pour ces émissions, pour les projets de MCI. Et on n'a encore rien vu de ce que Dieu va faire. Parce que Dieu va se glorifier. Et cette œuvre continuera après nous. C'est une œuvre pionnière que Dieu a voulu, que Dieu a désiré. Dieu a parlé. Il a parlé de façon claire en 2004 à Michael. De façon claire. Et aujourd'hui, on est en train d'entrer dans une nouvelle saison. Parce que des gens ont laissé derrière eux des choses. Parce que Michael a reçu cette vision, il avait laissé juste avant. Parce qu'il savait que Dieu voulait quelque chose, il a laissé ses études. C'était un des meilleurs de sa promotion. Il a laissé pas parce que il voulait entrer dans le ministère ou il sentait dans son cœur qu'il devait servir Dieu. Il n'a pas fait pour le ministère, c'était pour le service de Dieu. Et alors là, au bout de quelques semaines, Dieu lui a parlé. Tous ceux qui ont servi ici, au début surtout, ont dû laisser des choses. Certains ont laissé leur métier, leur société, leur famille, leur pays, leurs biens, pour cette œuvre. Et des milliers de personnes dont vous faites peut-être partie, certainement, j'espère, ont aussi décidé de laisser chaque mois un peu d'argent. Vous savez, il y a eu ces 8 000 pionniers, 8 000 partenaires qui donnent 35 euros par mois ou plus, ou environ, chaque mois. Et je voudrais vous dire, comme représentant toute l'équipe, qu'on n'oublie pas, que personne n'oublie ce que vous faites. Nous sommes nous aussi participants, bien sûr, non seulement dans cette œuvre, plus que de l'argent, par notre temps, par nos prières, comme plusieurs d'entre vous. Et je voudrais vous dire, ce que vous laissez, vous allez le retrouver. Frères et sœurs, si notre vie s'arrêtait maintenant, si votre vie s'arrêtait maintenant, je voudrais qu'on puisse être heureux d'avoir fait la bonne chose, d'avoir laissé derrière nous ce qui devait être laissé derrière nous. La vie sur cette terre, ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire de bien. Ce n'est pas une histoire de position dans le monde. C'est une histoire de faire sa volonté, de marcher sur le chemin resserré. J'aimerais prier pour vous. Père, je te remercie pour toutes ces personnes, ces nouveaux croyants qui ont laissé derrière eux des choses ou des personnes à cause de toi. Je te remercie pour tous ceux qui font des sacrifices et qui ont fait des sacrifices pour ton œuvre. Il y a des appels qui sont différents. Les sacrifices ne sont pas les mêmes pour tous. Tu ne demandes pas à tous de laisser leur famille ou leurs biens, mais tu appelles tous à être prêts à renoncer à tout. Et Père, je veux te remercier particulièrement pour tous ces partenaires qui sèment dans ton royaume. Je veux m'arrêter aujourd'hui pour prier pour eux, parce que sans eux, ce qu'on a fait hier n'aurait pas pu être fait. Ce qu'on fait aujourd'hui n'aurait pas pu être fait. Ce qu'on fera demain ne pourra pas être fait sans eux. Et je veux te remercier pour leur vie. Personne n'a rien perdu. Ça a été un gain. Tu l'as dit, il n'y a personne qui, à cause de toi, a laissé.
qui ne retrouvera au centuple dans la vie présente et dans le siècle à venir la vie éternelle. Père, je veux te glorifier, te remercier pour la vie de ces partenaires avec qui on forme une famille. C'est des frères, des sœurs, des personnes que tu as touchées. Ils ont été tellement touchés dans leur cœur et ils ont su entendre ta voix qu'ils ont rejoint cette grande vision et cette famille spirituelle. Merci pour leur vie. Tu as dit dans ta parole que l'arroseur sera arrosé et celui qui donne à boire sera lui-même désaltéré. Que si l'on jette notre pain à la surface des eaux, à la fin on le retrouvera. Et je parle sur les semences de tous mes bien-aimés, Seigneur, de tous ceux qui donnent, mois après mois, un peu de ce que tu leur as donné. Je bénis leur vie. Je proclame la guérison de leur corps, Seigneur, la délivrance de toute maladie, au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris là où vous êtes. Soyez libérés là où vous êtes. Que la présence du Saint-Esprit soit forte sur vous. Recevez la paix de Dieu. Père, je parle sur leurs finances. Je parle sur les travails, je parle sur les couples, je parle sur les familles, sur les enfants, sur les relations, sur la vie, Seigneur, dans le service pour toi. La réussite selon toi, la gloire qui vient d'en haut, la résurrection, le souffle de vie, les récompenses célestes. Seigneur, merci. Pour ceux qui ont eu le courage de laisser des mauvaises relations amoureuses peut-être, de laisser des mauvais contrats, de laisser des affaires qui paraissaient bonnes mais qui n'étaient pas ce que tu trouves bon et juste. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sur le chemin. Je sais que tu sauras nous parler encore et encore pour qu'on reste sur ce chemin. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Que la présence du Seigneur soit vraiment forte sur vous. Merci vraiment de tout cœur, de toute l'équipe de MCI, de la part de toute l'équipe pour votre soutien précieux. Ça m'est vraiment venu dans la prière, c'est ça, quand je préparais ça hier, hein, ce temps ensemble. Je crois que Dieu veut aujourd'hui vous encourager en vous disant que ce que vous avez jeté à la surface de l'eau, vous allez le retrouver. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci pour vos sacrifices, pour l'œuvre MCI. C'est, je crois, l'un des plus grands ministères que Dieu a donné à la francophonie actuellement. Et c'est juste son œuvre. Ce n'est pas la nôtre. C'est son œuvre. Mais il nous rend participants. Alors merci pour votre soutien. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas partenaire, vous pouvez rejoindre cette grande famille de ceux qui sont là en disant « Christ est vivant. Christ est ressuscité d'entre les morts. Christ est le sauveur de ce monde. » On se retrouve demain, frères et sœurs, dans Prière Inspirée. Je vous bénis.